Salut la team, j'espère que vous allez bien. Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne forme. On est le samedi 6 mars 2024. Et oui, après 3 ans de fermeture, bah, ça pousse. Donc voilà. Et un nouveau WOD. On a réussi à faire des WOD pendant 3 ans à poids de corps, à la maison, chaque jour différent. Je l'espère. En tout cas, non, j'espère pas plutôt. Parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir une telle touffe. Voilà, tout ça pour la blague. Bon, un bon petit WOD. Julien va s'occuper de vous. Un rap de 3 minutes, s'il y arrive. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va passer. Un rap de 3 minutes, 5 tours, 1 minute de récup entre chaque round de 3 minutes. Un peu comme des rounds de boxe. 20 jumping lunges alternés. 20 alternating leg V-ups et max de répétition en step-up sur la chaise ou la box si vous en avez une à la maison. Sur le skill, 3 rounds, 10 cat cow, 10 bird dogs, 20 back extensions. En gros, un max de renfort du dos et postural. Sur l'échauffement, 3 rounds également, 1 minute soit de marche en montant les genoux ou de montée de genoux en courant sur place. 10 step back lunges. On a l'habitude, et 10 extensions de hanches, les deux pieds au sol. Rien de particulier sur ce WOD, il va être assez sympa, c'est beaucoup de jambes. Sur les steps, faites attention à ne pas vous pencher en avant, ni sur les fentes, après le ski. Voilà. Prêt ? On va y aller avant que le fourrure me reprenne. Hein. Allez, go ! À moins qu'il me reste des cheveux sur la tête, eh oui, c'est le cas. C'est parti pour l'échauffement. Allez. Montée de genoux, tranquille au départ. Vous avez une minute de montée de genoux. Voilà, n'hésitez pas comme Julien à ajouter les bras, synchro, bras et jambes opposées. Franchement, j'ai toujours l'impression d'avoir un truc sur la tête. Non, je te rassure, t'as plus rien sur la tête. Je sens, tu vois, encore une touffe. Allez, 8 secondes. Ok. Step back lunges. 10. Dos au sol, 10 extensions de hanches. On se met sur les talons, on serre les abdos fessiers, on monte le bassin. C'est calme. On est parti pour un tour, une minute de montée de genoux. Allez. On est parti sur un échauffement du coup de 6 minutes. Secondes. Allez, n'hésitez pas au fur et à mesure à monter les genoux de plus en plus haut, faire monter le cœur là-dessus. Secondes. 10.
Ok. Step back, lunges. 10 reps. Extension de hanche. Allez, on repart, dernier tour. Allez, on monte de plus en plus haut. Il nous reste 30 secondes. Si tu le sens, tu peux accélérer un tout petit peu, selon les sensations. C'est good pour l'échauffement. On va passer à la suite. Ou sur la suite, c'est simplement du renfort et du renfort nécessaire. D'abord, le catcall. Travaille sur la respiration. Creuse le dos en inspirant. Je repousse le sol et arrondis le dos en expirant. Je lui ai une petite démonstration, une rep. Là, il expire. Donc, il repousse le sol, il pousse sur ses épaules, il arrondit le dos. Et lorsqu'il inspire, voilà, il relève un peu la tête, il creuse le dos, il remplit ses poumons. Ok, donc ça c'est sur le rythme de sa respiration. Deuxième exercice, toujours à quatre pattes. Bird Dog. C'est 20 reps au total. Voilà, il tend bras et jambes opposées en poussant fort sur le talon. Il cherche à aligner l'ensemble du corps. Il serre fort les fessiers, les lombaires sont engagés. Dernier exercice. Back extensions, allongé sur le sol, il va se grandir en se gainant, les genoux, la poitrine décolle. Ne cherchez pas à aller le plus haut possible comme d'habitude, vous cherchez à se grandir. Allez, c'est parti pour 3 tours, il n'y a pas spécialement de pause, tu prends le temps qui t'est nécessaire. Travaillez sur votre respiration, inspirez, expirez normalement, repoussez fort. Voilà, ça doit tirer au niveau des omoplates, vous devez sentir limite le haut du dos qui tire au niveau de la peau tellement vous repoussez.
exercice il est sympa à effectuer, il peut aussi vous aider à relâcher les tensions, puisqu'il y a un travail respiratoire en même temps. Ça fait vraiment du bien au dos. Contraction, relâchement, en sensation, en prenant le temps. C'est bien de prendre le temps, parfois. Ok. Bird Dogs. Je crois que c'est 10, mais je suis pas sûr. J'ai pas compté. Exercice là aussi, il est vraiment sympa. Ne négligez pas cet exercice, il est très important pour le maintien postural au niveau lombaire. Pour les flanades de renfort, n'hésitez pas à le faire avec des petits lestes aux chevilles et aux poignets. Allez, back extensions. On se grandit, toujours en contrôle. On suit le rythme de la respiration. Inspire en bas, souffle en haut. Yes! Fin du premier tour. On a trois tours comme ça. Tu prends le temps de te replacer et c'est reparti. Tu verras si tu fais correctement les exercices. Tu vas ressentir le travail au niveau postérieur, lombaire, fessier, mais même au niveau des abdos. Sur la respiration ici est important, souffle longtemps, vite tes poumons et remplis-les au maximum. Tu vas te sentir beaucoup mieux sur le haut, derrière tu vas voir que tu vas bien respirer. Faut pas que penser muscles. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte quand on parle de conditions physiques et qui sont souvent oubliés, tels que la respiration, la souplesse, dans les hauts parfois la stratégie, d'accord ? Ce n'est pas que la technique aussi, bien sûr. Ce n'est pas que du muscle. Voilà. Tous ces paramètres font que tu seras plus ou moins performant, en plus de ta qualité on va dire athlétique, musculaire, endurance musculaire, force. Qu'on voit toujours en premier, au premier abord, mais il n'y a pas que ça. Loin de là.
Bird Dogs. Attention à ne pas vous déhancher sur cet exercice. Vous devez rester les hanches parallèles au sol. Poussez sur le talon, non pas trop Julien. Voilà, poussez loin derrière. Back extensions. Impeccable. Allez, il reste un dernier tour sur ce skill. Je sais que tu te dis certainement que ce skill est un peu long, un peu lent, mais c'est fait exprès. C'est un skill qu'on a déjà fait ensemble, hein. J'ai déjà fait aussi dans une vidéo précédente. Donc prends le temps de le réaliser, ne t'arrête pas à deux tours, travaille jusqu'au bout. Souvent elle se fait sur des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et dont on ne sait pas qu'elles sont bénéfiques pour soi. Yes, Bird Dogs.
Yes. On termine avec les back extensions. Impeccable. Ok. Maintenant que vous avez les poumons opérationnels, il va falloir se réveiller. On va attaquer le WOD. Fente alternée sautée, 20 répétitions. 20 alternating leg V-ups. Et sur le temps restant, un max de répétitions en step-ups sur la chaise. Potentiellement, on a plus d'une minute 30 normalement de step-ups alternés. Ça veut dire qu'on en a presque 2 minutes. Peut-être qu'il y en aura même 2 minutes pour les plus rapides. Plus de 2 minutes même. Bien fait transpirer le skill. Parfait. Dites-nous si vous avez transpiré sur le skill avec Julien. Si vous avez suivi son rythme normalement, oui. Allez, une jumping lunges de chaque côté. Donc là, alterner, sauter. Voilà, tout simplement. Si on ne peut pas sauter, on fait des fentes classiques en avançant. Voilà. Et si ça peut être gênant, vous pouvez aussi les faire en step back lunges comme on a fait à l'échauffement. Il n'y a pas de souci pour s'adapter. L'important, c'est que ton genou avant ne dépasse pas la pointe de pied avant. Deuxième exercice, alternating leg V-ups. On démarre au sol, décolle tête, épaule et on alterne. En allant toucher un pied à l'opposé, puis l'autre. Tout simplement. Ok. Tu n'es pas obligé de retoucher au sol comme Julien le montre. Ça t'oblige à garder une position holo où tu peux relâcher entre chaque répétition. Tu fais comme tu le sens. Si tu restes en tension, tu peux aller plus vite. Dernier exercice, les chair step-ups. On monte simplement sur la chaise. On tend la jambe là-haut. Un pied après l'autre. Voilà. Ok. Sur la chaise, chaque répétition compte. Ton score sera égal au nombre de step-ups que tu auras effectué. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui ne termine pas les 20 jumping lunges plus les 20 alternating leg V-up. Si c'est le cas, alors il faut réduire les répétitions. Mais encore une fois, je n'imagine pas du tout vous connaissant. Allez le plus vite possible. Vous avez une minute de pause entre chaque phase de 3 minutes. C'est largement assez. Il faut se mettre en mode boxe, round de boxe, et puis ça va passer tout seul. T'es prêt, Julien ? Toujours prêt. Et voilà. Ah, c'est bien, il n'y a pas que moi qui la me batte au saut de bouton. Et oui. 2, 1, c'est parti. Allez, 20 répétitions. Si le mouvement est trop difficile, j'ai entendu, hein. Vous pouvez le faire, jambe fléchie, comme Julien le fait.
fait un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 5 il me semble. Et on fait un max de box chair step-ups. Une minute. Allez, allez, allez. Ok. Combien t'as compté? Plus ou moins 60. J'étais à 59 du coup. Bah c'est ça. Ouais. Est-ce que j'ai perdu le compte en cours de route? Quand il restait une minute, t'étais à 30. Ouais, c'est ça. T'as ralenti un peu sur la deuxième partie, t'as accéléré sur la fin, mais. Step-ups pour Julien. Il reste 30 secondes avant de repartir. Je vous rappelle qu'on fait 5 tours. Hein. Donc au début, ça paraît long, on fait beaucoup de step-ups, etc. Et plus on fait de step-ups, plus c'est compliqué au niveau des jumping lunges, évidemment. Même s'il y en a peu, forcément, ça ralentit un petit peu au bout de quelques tours. Sept secondes. 4, 3, 2, 1, go! Voilà. Alternating leg work. On était plus rapide sur ce deuxième tour. Allez, allez, allez.
Une minute. Secondes. Allez, on ralentit pas maintenant. Quinze secondes. Cinq secondes. Ok, 65 reps pour Julien. Une minute de récup. Allez. Julien a pu être plus rapide sur ce round, sur tous les exercices. Il a besoin d'un petit temps de chauffe, un tour de chauffe. 40 secondes avant de repartir. Je commence à 15 secondes. Tomber amoureux des exercices parce que j'ai le cœur qui bat la chamade. Merci. Dites-moi quelle blague vous préférez, la blague des cheveux ou la blague du cœur qui bat la chamade. Ça. Les fantasmes sautent, c'est parti. On n'est pas loin du même niveau. D'avoir un photo finish, je crois que j'ai une fille d'un plus. Ah, c'est possible. Le rythme dès le départ, en mode locomotive. 2 minutes. Allez, on respire bien. 1 minute. Allez, allez, allez. Secondes. 20 secondes. 10 secondes.
66 sur le gond. Ça passe vite, il ne reste déjà plus que deux tours. On repart dans 30 secondes exactement. Soixante-cinq, soixante-six. Ça fait que de monter. Jusqu'où ira-t-il? 15 secondes. Jusque là. 10. Je te demanderai l'arbitrage vidéo. 4. Là, t'en as fait une de trop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, on enchaîne. De 10. Minute. Seconde. Ah. 20 secondes. Sur le gong. Il ne reste plus qu'à faire 70. Hein. C'est tout. On y est, dernier round. Allez, faut rien lâcher. C'est maintenant que les fentes vont être les plus difficiles. Les fentes et les V-up. On va essayer de gagner du temps. Une à deux secondes là-dessus, peut-être sur chacun des deux exercices, au moins une seconde sur chaque. Et derrière, bah, faut partir à fond et finir à fond. En mode locomotive sur les step-ups, 20 secondes. Tu t'arrêtes pas, tu souffles toujours au bon moment, en mode métronome, un robot. Voilà. 10 secondes. Allez, on se remobilise. 5 secondes. Juste 3 minutes de travail. 2, 1. Go!
Allez. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, viens. 12. 13. Allez, rentre pas. 14. 15. Allez, plus 5. 16. 18. 17. 18. 19. 20. Allez, on enchaîne. 2, 15. Allez, rapide. 3. 4. 5. 6. 7. 2 minutes. 1 minute. 42. Allez, allez, allez. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 55. 56. 57. 30 secondes. 10 secondes. 10. Allez. 11. Allez, 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 allez. 12. 13. 14. Dernière. 15. Ok. Nickel. 60, 65, 68, 69. 60, 65, 68, 69, 75. C'est ça. Si on faisait des montages, on pourrait couper et revenir dans 5 minutes. Mais là, on le fait pas. J'espère que ça a été pour vous, Loud, et que ça a été aussi éprouvant que pour Julien, apparemment. Ou alors, c'est un vrai bon acteur. Ah, je suis trop, trop fort. Quand il aura pris son souffle, il vous dira un petit mot sur le Wood, sur ce qu'il en a pensé, la partie difficile. Ça n'avait pas l'air difficile. Avec les exercices pris séparément, je veux dire. Ouais. Plus dur pour moi dans le Wood, c'est d'avoir un juge qui compte mal. Sur la deuxième série, j'ai dû oublier le départ. Mais sur les autres, je comptais toujours très bien. Je compte en fin de répétition. Et il a fait des rêves de plus parce qu'il a pas bien écouté. Ça, j'accepte. Mais non. Je serai juste sur la vidéo. C'était bien. En fait, les femmes te sautaient, c'est dès le début. Donc dans ma tête, je me disais, ça va, 20, ça passe. À la fin des 20, ça allait. Sauf que quand il faut rattaquer sur la chaise, les 20 d'avant, on les sent. Et ce qui m'a fait le plus mal, moi, clairement, c'est les legs V-up. C'est pour ça que j'ai posé les jambes après. Parce qu'en fait, au début, le fait de rester en tension, j'arrivais plus à lever les jambes. Et comme j'ai un peu mal à l'épaule, en fait, j'avais du mal à envoyer les bras devant et à monter. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer d'option. Et après, ben, du coup, ça m'a demandé aussi un effort plus important qui venait vraiment des tripes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ouais, les tripes à la mode du Sud, c'est mieux à la mode de camp. Hein. Non, bien, bah c'est un bon retour. Donc ça prouve aussi que même Julien est sort de l'ostéo, même si voilà, il n'a pas sollicité ses bras, enfin pas trop,
Même si voilà, on peut avoir différentes pathologies, diverses excuses, on est quand même capable de faire. D'accord? Donc on est capable de faire en adaptant à son rythme, à son niveau en termes d'exercice. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que de toute façon, la solution, c'est bouger. Le mouvement, c'est la solution. Restez actif. Il n'y a que comme ça que vous vous soignerez. Si vous restez immobile, vous finirez en mode momie. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très jouissif. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une séance étirement, évidemment. Donc, ne zappe pas les étirements, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et la souplesse, le relâchement, ça en fait énormément partie. Donc, ne négligez pas ça. Et si tu le négliges et qu'un jour tu oses venir te plaindre que voilà, je suis un peu raide, j'ai du mal à me relâcher sur ma technique, repense à ce que je t'ai dit. Et là, je te ferai ce petit signe-là, tu vois, en mode reproche. Genre, je te l'ai dit 15 millions de fois d'être étiré. Donc, tu te motives et on y va. Ça prend une demi-heure. Bonne journée à tous et que la force du tigre soit avec vous.